Nous sommes dans une classe de l'école primaire. Les élèves sont en train de faire un cours de français, par exemple, d'étudier le passé composé, par exemple. Il se trouve que parmi eux, un élève a une très grande difficulté à suivre. De quoi a-t-il besoin dans cet instant? Il a besoin qu'à un moment ou à un autre, son professeur puisse le voir un quart d'heure, une demi-heure, et lui expliquer ce qu'il n'a pas compris tout à l'heure dans la même journée. Je connais pas trop le problème, mais ce qu'il y a, c'est que... Alors, j'ai lu 2-3 textes et je sais que les RASED, en fait, c'est des profs, mais c'est aussi un peu des psychologues d'enfants, des pédopsychiatres qui arrivent justement à comprendre l'enfant qui ne comprend pas forcément l'utilité de l'école. Et ils arrivent à leur redonner l'envie d'apprendre. Et c'est des choses qui sont très importantes. Qui relève d'une aide plus spécifique, spécialisée. Ces enseignants-là sont formés, sont des enseignants spécialisés et nous n'avons pas les compétences pour aider ces enfants-là comme eux le feraient. Certains d'entre eux ont besoin d'une rééducation parce qu'ils ne se sentent pas élèves. Ils ont besoin d'un soutien psychologique parce qu'ils vivent des choses difficiles à la maison. Nous, notre formation ne nous permet que de leur apprendre des choses ou de renforcer leurs connaissances. On n'est ni psychologue ni rééducateur. On ne peut pas s'occuper de toute la partie psychologique ou de la vie de l'enfant qui peut l'empêcher d'être un bon élève. Et le soutien ne rajoutera qu'une couche de travail en plus, en fin de compte, pour cet enfant. Ça ne va pas régler son problème autre. S'il ne se sent pas déjà élève, on ne peut rien faire pour lui. Personnalisée ne s'adresse pas aux enfants qui sont en grande difficulté. Il faut savoir que ces 2 heures d'aide personnalisée, d'abord, ne portent que sur une infime partie de l'aide pédagogique et ne font pas partie de ce qu'on appelle la remédiation pédagogique telle que nous, maîtres spécialisés, la concevons. Qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquement, ça veut dire que nous, maîtres spécialisés, par exemple, dans l'aide pédagogique, nous remontons à la genèse, à l'origine de l'apprentissage, aux difficultés vraiment qui sont aux barrières de l'apprentissage. L'aide personnalisée, c'est vraiment des petites choses, c'est, comme on dit, le S au pluriel, c'est des problèmes d'accord, c'est des petits problèmes comme ça qui peuvent être réglés, on va dire, dans le cadre de la classe, quand l'enseignant en a le temps. Mais l'enseignant a de moins en moins de temps pour ça. Voilà. Donc il y a une grosse différence, et ce qu'on a voulu faire croire, c'est que cette aide personnalisée pouvait remplacer les enseignants spécialisés, ce qui n'est pas et ne sera jamais le cas. Donc ce qui va se passer, c'est que beaucoup d'élèves auront beaucoup à y perdre. Monsieur le député, je ne crois pas, et je pense qu'il serait même absurde et même improductif de dire le contraire, je ne crois pas que la solution unique à l'échec scolaire soit de la traiter d'une manière qui est considérée aujourd'hui comme psychologisante ou médicalisante. Un élève qui n'est pas confronté régulièrement au livre. Il prend un livre, vous le voyez, cet élève-là, il prend un livre dans un sens, dans l'autre, il ne sait pas où est le début, où est la fin. C'est un élève qui ne sait pas se repérer dans un texte, qui n'est pas capable de vous dire ça c'est le début du texte, ça c'est la fin, même sans savoir lire. Quand on est à l'école maternelle, par exemple, on est capable de repérer où commence une histoire, où elle finit. Cet enfant-là, il est tellement en difficulté qu'il ne repère pas le début, il ne repère pas la fin. Il ne repère pas le titre du livre, il ne repère pas le nom de l'auteur. Donc il faut se rendre compte que cet élève-là, il est dans un brouillard total. Ça, c'est une très grande difficulté qui ne peut pas être, on va dire, réglée par des problèmes, par des systèmes comme l'aide personnalisée. Mais cet enfant, il est décroché totalement des apprentissages. Pour lui, une lettre ne veut rien dire. Il confond une lettre et un mot. Il ne sait pas faire la différence entre son nom et son prénom. C'est un peu l'âge qu'il a. Oui. Il faut se rendre compte. Cet enfant-là serait mis dans une classe dite normale. De quel niveau? Ben, s'il est à l'âge du CP, il serait, comme je vous ai dit, un enfant qui ne reconnaît pas
le début, la fin d'un texte. C'est, ça peut par exemple être le cas, comme je l'ai vu ici, un enfant entre la grande section maternelle et le CP. Cet enfant-là, et moi je le vois actuellement dans les classes, cet enfant-là, c'est un enfant qui ne peut pas être évalué. Il passe les évaluations que le maître ou la maîtresse de CP lui fait passer, mais cet enfant ne donne pas de réponse aux évaluations. Donc, à mon sens, cet enfant-là n'est pas évaluable. Parce que pour être évaluable, il faut quand même apporter des réponses. Ces réponses, elles sont binaires, justes ou fausses, d'accord. Mais quand même, entre le juste et le faux, il y a un monde. Pour un enseignant dans une classe qui ne bénéficie plus de l'aide spécialisée, qui se trouve donc en face d'enfants en grande difficulté, forcément que cet enseignant dans sa classe va être, demandé par un plus grand nombre d'élèves en difficulté et sur un temps beaucoup plus long, au détriment des élèves, entre parenthèses, qui n'ont pas trop de difficultés. Donc ces élèves-là ne bénéficieront pas à terme, et même très rapidement, du crédit d'enseignement auquel ils devraient bénéficier. Très, très rapidement, on va voir, est-ce qu'on peut dire que ça va être une baisse de niveau, mais on peut anticiper en disant que ça va être une baisse des capacités d'apprentissage de ces enfants-là. C'est sûr que l'enseignant aura moins à leur apporter, puisqu'il aura plus à s'occuper des autres. Alors moi, si j'avais à faire passer un message de Xavier Darcos, ça serait un message de paix. Et je dirais simplement, quand on est ministre, on est chef d'entreprise. Et quand on est chef d'entreprise, la moindre des choses, c'est qu'on soit reconnu par ses employés. Or, au jour d'aujourd'hui, ce dont il souffre, M. Darcos, c'est de n'être plus reconnu. Et je pense que s'il sait faire œuvre de communication, surtout avant de faire œuvre de communication, il devrait faire œuvre de crédibilité. Moi, comme tous les enseignants, j'attends d'un ministre qu'il soit un expert. C'est-à-dire qu'un ministre, un chef d'entreprise, ça connaît son entreprise. Ça connaît les moyens de production,